Salut à tous, c'est Okonai. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire qu'on est en stream sur Twitch pour faire gagner plein de giveaways, encore une fois avec un défi impossible, vous allez voir. On est aussi à 20h avec Toucan pour un coaching viewer Silver Gold. Donc si vous êtes Silver Gold en solo queue en EU West, vous pouvez venir participer, ça nous fera plaisir. A tout de suite, ciao bye, bonne vidéo. Ok, c'est parti, on joue le petit Ziggs. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Ziggs, je viens de l'acheter. Là on va lancer des petites grenades. Des petites bombes. Franchement, ça va être trop stylé. Du coup, va falloir faire attention. On joue avec barrière parce qu'il y a un Lee Sin en face. On va devoir pas trop faire les fous. On va juste essayer de faire proc le mana flow ainsi que rupture et comète dès qu'on peut. Après, je vais pas vous mentir, on a Pyke dans notre équipe. Du coup, on risque de gagner la game. Pyke, c'est dans mes top 5 des champions les plus OP du jeu qui sont ultra chiants à jouer contre. Donc, il va sûrement faire tilt. Je vais être la cible de Lee Sin. Vous regardez la carte. Top, ça push pour eux. Bot, ça push pour eux. Je suis la cible de Lee Sin. On farm tranquillement. Ah, ça c'est un jungler que j'aime. Bon, c'était risqué. On vient de voir Lee Sin ici. N'ayez pas peur d'aller gank Emerdinger. Sinon, parce qu'Emerdinger, s'il se fait pas gank, il peut pas perdre une lane en fait. Tu peux pas tuer Emerdinger en 1v1 s'il a ses tours en fait. Et vu qu'il a plus ou moins tout le temps ses tours, surtout Timo va pas pouvoir les détruire. Il y a vraiment juste. Allez, pas beaucoup de champions qui peuvent faire la différence. Il faut pas que je joue comme ça moi. Là, je joue trop agressif. Je sais que j'ai vu Lee Sin côté blue side. On rate pas le canon. Hop, c'est bon. On se casse. On se casse pas. On va attendre les 1300 gold pour le Lost. Lost Chapter, ouais, c'est ça. Il y a ça et je trouve ça trop bien. Il essaie d'esquiver, mais je ne pense pas de ça. Allez, 4. Tout ce temps pour esquiver, pour finalement te prendre le truc le plus simple au monde. Oh, Miss les prix dans la gueule, violemment. Parce qu'il aurait pu me finir très vite. Et il faut pas que j'hésite à faire la barrière pour pas passer en dessous des 50% de points de vie. Là, ce qui est très bien, c'est que j'ai l'impression que Vegar a toujours pas fait une stack de Dark Harvest. Et on est à 7 minutes. Ça, c'est super. En gros, là, je fais une erreur. C'est-à-dire que... j'ai trop de gold. Je vais pas vous mentir. 2400 gold. C'est pas la fin du monde parce qu'on est contre un Vegar qui a galéré, qui avait plus de mana, etc. Donc, on était plus ou moins obligé de rester. On lui met quand même 12 CS, c'est pas mal du tout. Il back en même temps que moi, non, ok. Je vais prendre le last chapter. J'ai assez pour mes bots, je vais prendre mes bots tout de suite. Et je vais attendre pour une petite potion. J'ai pas ward, là j'ai 2 stacks de potions, c'est pas ouf. De ward, putain, je dis n'importe quoi. Là je vais utiliser barrière, voilà. Vous voyez la barrière? Parce que là il a cru que Dark Harvest allait proc. Et du coup ma barrière m'a permis de tanker. Il a toujours pas fait... et j'ai pris son nick d'un en plus. Ouais, il va vouloir faire proc son truc. Il a plus de flash, du coup c'est bon, il est mort. Veste, je crois. Alors il a flashé dans ma bombe. Peut-être un ultime de dispo. Clairement, là ils ont pas besoin de moi. Oh putain, j'ai de la chance. Non, lui il a plus rien. Merde. Bon bah j'ai pris le blue buff. J'ai eu au moins un truc. J'aurais pu warder là. J'aurais pu le tuer lui du coup. Ouais, ça touche. On fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est insane. Oh oui! Ah, j'aurais dû y aller là, my bad. Mais pas besoin, nous avons le Pyke. Difficilement avant. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec autant, aussi peu de points de vie? J'ai hint. Quoi? Désolé, j'ai un peu crié. C'est juste que je sais pas comment j'ai fait pour tuer Vega. Ah oui, c'est vrai, je peux détruire les tours, j'avais complètement oublié. Et c'est super agréable à jouer en fait. Hein. Moi j'adore Ziggs là. J'aime trop les champions comme ça. Tu balances des sorts à l'infini quand t'as le bon stuff. J'ai envie de faire le fou là. Ah mais attends, mais j'ai 2300. Ah vas-y, attends, on se casse. Non, ok. Ils sont tous à la top lane. Enemy spotted. Oh, yeah. Boum. La meuf dans le magasin. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je... Oh shit. Aïe. Faut pas regarder le magasin, ma petite. Holy damage, Zig. Ah bah là je vous préviens, c'est on peut pas faire plus de puissance. On peut pas faire plus de puissance.
Ah non, il l'a fini. Oh, je l'ai pas eu. Wouah! That's side step! Vas-y, donne-moi des stacks, toi, fais le fou. Oh putain. Vas-y, ça, je... Laisse tomber, je me casse. J'étais 100% mort, sinon. Genre là, là. Ça va, pas trop dur comme kill. Mais elle a même pas R. Il est là, lui. Non? Ah, je crois que Lee Sin était là. Il s'était caché ici, finalement. Boum! Je vais enlever cette tour. Ah, purée, mes trucs. Non! Oh, je t'emporte avec moi. Je suis désolé, je t'emporte avec moi. Ah, j'ai mal joué, désolé, j'ai perdu mes stacks comme un débile. Il va vouloir le canon. Il s'est dit. Bon, tant qu'à faire, je prends le canon, hein. Bam! Oh, j'ai tellement envie de jouer là. Allez, à plus! Elle se l'est mangée, mais genre tellement violemment. Ça me fait trop rire. Allez, on est presque à 1000 AP. Bientôt 1000 AP, let's go! C'est prêt ou pas? Le test! Bon, il était pas au milieu. Bon, c'est pas mal. Oh, j'ai oublié d'activer mon truc! Attends, il faut que j'active l'autre truc là. Ah, il faut qu'il soit au milieu, vas-y. Tu sais quoi, je vais attendre ici. Je vais attendre ici, je veux one-shot des gens. Avec un R. Test. Putain, désolé. Bon, j'ai oublié d'activer mon truc, mais ok, d'accord. On peut one-shot du coup la civir. Le Karim qui stresse, il a trop peur de perdre. Là. J'attends les... J'ai bientôt les 100 stacks, là. Et les gars, genre... Je fais tellement de dégâts. Non! Pas tout de suite! Ok, Lulu. Attendez. 94 stacks. Oh non, c'est sur lui, putain. Je me suis foiré, désolé. Je voulais tester le one shot avec le R. On a vu que c'était possible, mais on n'a pas réussi. Je n'ai plus de mana. Il galère tellement à sidestep. Putain, ils me font trop rire. Le lycée, il fait oh shit. Oh. C'est ça, ils ont 37 de MR. Du coup, là, je fais presque des dégâts bruts. Oh. Attention. Oui. On n'a rien vu. Il s'est rien passé. J'ai ulti une civir. Je commence le jeu. Je savais pas. Ok. Ça arrive à tout le monde. On n'a rien vu, hein. Mais je la finis pas là. Hein? Ça saute pas là? Que j'utilise barrière. Aïe! Ok, bah c'était une bonne game les gars. On arrête tout. Putain, je viens d'acheter Ziggs. Je me suis trop amusé de ouf. Bon, GG à tout le monde hein. On est niveau 50? Non, c'est un coffre. Merde. Je sais pas si je suis premier aux dégâts. Bon, on est premier. On a juste fait 5 fois plus que le Vegar. Après, c'est normal, hein, c'est les champions style Xerath, Lux, Brand, Ziggs, Vel'Koz. Bon, du coup, les gens, c'était Ziggs. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Putain de merde, c'était trop bien. Du coup, bah, on est en stream et have fun, les gens. Ah oui, c'est vrai, on est le 1er décembre, du coup. Il y aura pas mal de défis, pas mal de giveaways. Donc, venez en stream et ça va être vraiment stylé. A bientôt, tout le monde. Ciao, bye.